Eh, plutôt sympa cette petite musique de fond, non Vous ne trouvez pas Ah, moi je la trouve plutôt pas dégueulasse. Eh bien, salut à toutes et à tous, c'est Okrad, et aujourd'hui on se retrouve pour le test de Venetica. Alors, Venetica, c'est un action-RPG édité par DTP Entertainment, donc DTP Entertainment, euh, pas DTC, hein, DTC ça n'a rien à voir. Voilà, je préfère vous le dire tout de suite, développé par Deck13, c'est un... Peggy 16 et c'est sorti le 20 janvier 2010. Voilà. Donc pour la petite histoire. Eh bah ben oui, parce que là on a fait la, la, la petite fiche technique. Maintenant on va quand même faire la petite histoire. Alors pour la petite histoire, nous incarnons Scarlett. Donc Scarlett c'est cette jeune fille que vous voyez à l'écran. Tac, voilà, bonjour mademoiselle. Euh, et donc Scarlett, elle était dans son village tranquille. Euh, voilà. Et puis d'un seul coup... Il y a une invasion, donc son, son chéri euh, qui s'appelle Bénédicte, c'est assez étrange pour un nom de mec, vous en serez d'accord avec moi, hein, Enfin, moi je trouve ça un peu bizarre, euh, devait partir bah, voilà, euh, au combat, etc. Donc il était prêt, il lui disait au revoir une dernière fois, avant de revenir. Et là, il bah, y a une attaque sur son village, on ne sait pas vraiment pourquoi au début. Euh, et puis, bah voilà, donc son. son cher et tendre Bénédicte, eh bien, va se faire tuer, tout simplement en voulant sauver Scarlett. Et, euh, et ben bah, voilà, c'est comme ça que ça commence un petit peu ce jeu. Donc, on commence un peu sur une note dramatique. Et Scarlett va se rendre compte euh, avec ce, cet assassinat, on peut le dire comme ça. Que elle a certains pouvoirs, donc elle ne le ramènera pas à la vie, c'est sûr, mais elle va se rendre compte en fait qu'il y a deux mondes. Donc il y a son monde à elle et il y a le monde de l'au-delà. Et en fait, s'ils ont attaqué ce village, puisque dans ce village-là, en fait, elle a été adoptée, tout simplement, elle n'est pas euh, issue d'une famille euh, classique, elle est adoptée, ils sont venus pour la chercher parce que cette Scarlett a un pouvoir et cette Scarlett est un peu particulière. Quand je vous dis particulière, c'est tout simplement parce que Scarlett est la fille de la mort en personne. Voilà. Et donc, Scarlett a un destin tout tracé. Scarlett va tout simplement devoir empêcher euh, l'archonte de devenir la mort à la place de la mort. Donc c'est un peu calife à la place du calife, hein, euh, sans, sans vouloir euh, faire, dire n'importe quoi, mais c'est un peu ça. Et elle va devoir l'empêcher. Et de ça, elle va vivre une très très grande aventure que nous allons vivre dans ce jeu. Et j'ai trouvé ça pas mal, j'ai trouvé ça assez original. Déjà, le, le lieu de base est assez original puisque ça se passe en Italie. Donc, c'est une Italie un peu. Euh, comment vous dire euh, Fantastique. Hein. C'est inspiré de l'Italie. Voilà, on va dire comme ça. Donc, il y a la ville de Venise, etc. Je vais tout de suite charger une partie d'ailleurs. Je sais pas si je peux le faire d'ici. Si, je peux le faire. Oups, attention, ça spoil. Je vais revenir dans les, dans les premiers niveaux. Donc vous allez commencer dans les montagnes, donc je vais partir dans les montagnes. Voilà. Mais c'est vrai que j'ai trouvé ça assez original, elle a un... Elle va devoir défendre son père et... Euh... etc. Et vous voyez, donc on commence là-dessus, vous voyez que c'est tout de suite beaucoup moins joli. Alors je sais pas, c'est certainement un des premiers environnements sur lequel ils ont travaillé au début du développement du jeu, mais c'est vraiment pas joli quoi. Et euh, déjà techniquement c'est dépassé, le jeu est dépassé mais grave. Et voilà, on voit qu'il y a un vrai vrai manque de budget. D'ailleurs, je me suis un peu renseigné sur le moteur graphique. Et il semblerait que ce soit un moteur graphique euh, avec une licence vraiment euh, très très basse. Et euh, comment vous dire En plus d'être basse, cette licence, voire même inexistante, j'ai pas pu trouver de prix. C'est une licence qu'on peut même avoir gratuitement. Pour les jeux amateurs, etc. Donc c'est vraiment un moteur graphique qui est dans les choux. Hein. Clairement, pour un jeu sorti en 2010, c'est clairement pas beau. Il euh, y a des textures qui scintillent. Vous euh, voyez, comme par exemple l'ombre là. Vous voyez que ça scintille à mort. C'est dégueulasse. Et encore, c'est pas là où c'est le plus dégueulasse. Il y a des endroits où c'est vraiment immonde. Euh, mais y a, Ce jeu a des défauts. Ce jeu a des défauts, mais c'est fait vraiment, vraiment descendre par la presse. Et j'ai trouvé ça un petit peu. Euh, comment vous dire bah pff, presque trop quoi c'est presque trop je trouve que c'est c'est trop descendu parce que ce jeu certes il est bourré de défauts mais il m'a accroché jusqu'au bout et il euh, y a certains jeux comme ça où on s'en rend pas compte mais ils sont pleins de défauts mais on a envie de le continuer eh bien ce jeu en fait partie ce jeu en fait partie j'ai vraiment apprécié ce jeu alors là il y a des euh, des derviches alors c'est les, euh, les jeux les jeux les les ennemis qu'on a au début du jeu alors là hop j'ai même pas euh... Hop, hop, donc là c'est... Ah tac. Donc bah, en même temps ça me permet de vous montrer le système de combat qui est assez simple au début. Euh, je vous rassure, hein, jusqu'à la fin ça reste assez simple. Et en tout cas le jeu est... Tout euh, tout est jouable à la manette. Hein, c'est faisable, il y' a pas de souci. Tac, tac. Vous voyez que là j'enchaîne sans beaucoup de difficultés, Des petites esquives, des trucs. Des petites roulades. Mais c'est pas bien compliqué. En tout cas, les euh, combats sont en temps réel. Et ça, c'est plutôt un bon point également. Euh, J'ai trouvé ça plutôt sympathique. Euh, dans les bons points aussi, je pourrais dire que Scarlett est super bien modélisée. Par rapport à, vous voyez par exemple, les, les textures qui scintillent juste au-dessus. Euh, et les montagnes assez dégueulasses. Eh Scarlett, elle est quand même bien... Bien modélisée. Voilà, c'est clair, ils ont mis le paquet sur Scarlett. Et ça, c'est un bon point aussi. J'ai trouvé ça plutôt sympa. Alors hop Tac Donc là pour l'instant les enchaînements sont assez basiques Mais après par la suite en fait on a un arbre de talent qui nous permet d'apprendre de nouvelles techniques etc Donc il y a des maîtres de. Des maîtres de combat euh, combat physique et maîtres de combat euh, nécromancie etc Donc il y a pas mal de trucs euh, à débloquer ça c'est plutôt cool Ici par exemple il y a pas mal de textures qui scintillent normalement Vous voyez voilà, bah, je sais pas si on va le voir oui monsieur, on a vu, merci. Voilà, vous voyez que c'est... Je sais pas, joli. Des... Voilà, hop, on va tout passer les dialogues. On va pas trop s'embêter avec ça pour, l pour le moment. Vous voyez, par exemple là, il y en a une, elle a scintillé quand j'avance. Vous voyez là-bas, euh, juste à droite de la lumière. Voilà, ça scintille à mort. Et ça, le jeu en est bourré. Le jeu en est bourré. Il y a du clipping, il y a de la liasine, il y a tout. Il y a tout dans ce jeu. Tous les défauts qu'on peut reprocher à d'autres jeux, ils y sont. Et encore, je suis sur PC. Euh, faut savoir que le jeu est également sorti sur PS3 et Xbox 360. Je n'ose même pas imaginer la catastrophe que ça doit être sur ces consoles. Très clairement. Bon. Pour l'instant, je suis en train de dire pas mal de défauts, etc. Mais je suis un petit peu méchant parce que le jeu est vraiment, vraiment sympa. Moi, j'ai apprécié déjà l'histoire qui est assez originale. Donc, je ne peux pas vous en dire énormément plus sur l'histoire parce que sinon il y aurait un gros risque de spoil déjà en vous disant que Scarlett est la fille de la mort je vous ai déjà un petit peu spoilé bon ça arrive très vite dans le jeu je crois qu'au bout d'une heure de jeu on le sait mais voilà je pouvais pas non plus juste dire bah voilà son chéri est mort elle va se venger ah non clairement pas clairement pas parce que le jeu n'est pas entièrement basé sur la vengeance euh, autre bon point que j'ai pu remarquer également euh, je vais faire une autre euh, je vais charger une autre sauvegarde un peu plus loin dans le jeu quand même histoire de vous montrer venise euh, tac 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 on va charger le port donc là c'est beaucoup plus avancé dans le jeu euh, voilà donc euh, ce que je vous disais ouais autre bon point euh, également dans le jeu c'est qu'il y a des choix dans les dialogues des choix alors je ne sais pas si ça a une réelle réelle incidence je ne pense pas d'ailleurs bon, là, d'ailleurs on est de nuit donc vous pouvez voir que Ici, le port est déjà beaucoup plus joli. Bon, ça scintille un petit peu encore, mais c'est quand même déjà artistiquement beaucoup plus joli euh, que ce qu'on a pu voir au début. Le village, clairement, si je me serais arrêté au début du jeu, donc le village, c'est un peu la phase de tuto du jeu, je me serais arrêté au tuto du jeu, j'en aurais eu une, une impression très négative et je serais passé à côté d'un jeu qui finalement m'a plu. Finalement, je me suis éclaté sur ce jeu. Voilà, j'ai pris du plaisir à le faire et je pense que ça aurait été vraiment dommage. Dommage de m'arrêter là. Alors, voilà, on va passer vers l'Arsenal. Donc là, vous allez un peu voir tous les quartiers du jeu. Donc c'est un, un jeu faussement en monde ouvert. Hein. Ça, faut, faut le savoir également. Hein, c'est monde ouvert, mais pas totalement. Hein. C'est des zones. Voilà, je préfère vous le dire pour ceux qui, qui pensaient trouver un jeu entièrement ouvert. Non vous ne trouverez pas ça avec Venetica À mon avis, c'est les limitations du moteur graphique aussi, parce que le moteur graphique, comme je vous le disais, il est complètement à la ramasse le truc. Hein. C'est euh, voilà, c'est même fatigant par moments quoi. C'est c'est vraiment, on se dit, non, mais non, mais les mecs, ils ont quand même fait du bon boulot pour, euh, pour faire ça sur un moteur graphique de de ce type-là. Faut quand même le faire. C'est quand même bien, 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 bien. Donc oui les, les choix d sur les dialogues je suis pas sûr que ça ait une vraie incidence sur l'histoire Mais on... sur les dialogues ça a une vraie in incidence C'est à dire que voilà le personnage, la suite du dialogue va vraiment être modifiée Et ça c'est pas mal Et la suite des dialogues avec les autres personnages vont être modifiées Mais sur l'histoire en elle même le déroulement sera pareil Donc on peut se déplacer en gondole comme ça à partir d'un certain niveau Donc là je vais aller... Ah bah tiens ça va me permettre de vous montrer la carte du jeu Donc voilà la carte du jeu Donc là c'est Venise et euh, tout, là on peut pas aller sur la gauche là. Euh, les champs et tout ça que vous voyez c'est juste du décor. Là tout en haut c'est le village. Voilà, et là c'est la baie sud. Donc voilà, en fait on peut tracer le village. Euh, hop, vous voyez où il y a la petite rivière, on descend jusqu'à la baie sud, après on traverse le pont et on est tout de suite dans Venise. Et Venise c'est la plus grosse partie du jeu. C'est clair que c'est super grand. Donc là je vais vous montrer un petit peu Venise. On va aller dans les faubourgs. J'ai trouvé ça original comme environnement de jeu. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup, beaucoup de jeux quoi, euh, dans, dans ces environnements-là. En plus, comme c'est librement inspiré, c'est pas non plus... Euh, voilà, faut pas s'attendre à voir les vraies rues, et les, les vrais trucs de Venise. Mais, euh, mais c'est sympa. Vous voyez là, on est de nuit. C'est quand même plutôt joli. Donc là, je suis en armure. Il faut savoir qu'il y a pas mal d'équipements également. Donc je vais peut-être vous montrer... Euh, ouais. Hop, je vais vous montrer un petit peu les menus du jeu, comment ça fonctionne. Donc moi ici, je joue à la manette, hein, je vous le précise. Euh, on peut également jouer au clavier-souris. Mais je sais pas, ce jeu, je trouvais qu'il se maniait bien plus à la manette. Donc certainement qu'à la base, il était prévu juste pour console et que c'est une adaptation PC ou j'en sais rien. Mais dans tous les cas, à la manette, c'est bien plus agréable. Et pour, pour que vous m'entendiez dire ça, il faut vraiment que ce soit plus agréable. Quoi. Alors, on a hop, les vêtements, donc on a euh, tout ce qui est... Euh, Inventaire, armes et armures. Donc voilà, vous voyez que j'ai pas mal d'armes et armures. J'ai des trucs comme ça. On a les objets classiques. Donc tout ce qui est potions. Euh, voilà, etc. On a les objets de quête qui sont stockés à part. Franchement, c'est très bien classé les menus. J'ai aucun souci là-dessus. J'ai eu aucun problème à me repérer dans les menus. Contrairement à certains euh, RPG à bas budget. Ou c'était vraiment tout était mélangé, ou j'ai un souvenir d'un Dragon's Dogma qui pourtant n'est pas à petit budget, où c'était le bordel pour s'y retrouver. Là, vraiment, non, tout est bien classé, tout est net, tout est précis, il n'y a pas de problème. Donc ça c'est bien. On a euh, ici une jauge. Euh, ah bah vous voyez, sur cette sauvegarde-là, j'avais laissé tous mes points à hein, placer. Donc où on peut augmenter nos caractéristiques, la sagesse. Le pouvoir spirituel, etc, etc. Donc là, on va augmenter pas mal la santé, la sagesse, un petit peu de force, histoire de taper un peu plus fort. Et ce sera très bon, et on confirme. Et voilà, vous voyez, c'est très simple, il n'y a pas de problème là-dessus. Ensuite, nous passons sur l'arbre de talent, comme je vous le disais tout à l'heure, euh, technique physique. Donc vous voyez qu'il y a pas mal de trucs, enchaînement à la faux. Euh, ça, c'est selon l'arme que vous préférez. Hein. Donc à vous d'augmenter ce qui vous intéresse le plus rue et mortelle, injection mortelle. Euh, parade du croissant de lune, éruption mortelle. Donc, il y a pas mal de trucs. Moi, j'ai trouvé ça sympa. Après, c'est pas non plus poussé euh, à fond. Hein. Voilà, les... c'est un action RPG, mais il a un peu le cul entre deux chaises ce jeu. Voilà, c'est un peu le jeu qui est entre le jeu d'aventure, entre le RPG. C'est pas pour les amateurs de RPG bien dur, bien compliqué. Ils y trouveront peut-être pas forcément leur compte. Mais si vous voulez faire un RPG assez simple, c'est un très bon. RPG d'entrée de gamme, on va dire. C'est-à-dire que pour vous lancer dans des RPG, dans le genre de jeu RPG, action RPG, bah c'est un bon candidat parce que c'est pas trop compliqué tout de suite. On comprend tout, on est un petit peu tenu par la main, mais pas trop. Non, vraiment, euh, là-dessus c'est bien foutu. Donc vous voyez qu'il y a pas mal de trucs, euh, marteau, etc. Euh, les techniques spirituelles, bon bah là ici sur cette sauvegarde tout n'est pas rempli. D'ailleurs je n'ai pas pu tout remplir, mais il y a un truc pas mal, ce pouvoir-là. Euh, le guide ultime, appeler la mort en personne pour qu'elle s'empare de votre victime. Et ça, c'est super classe. Malheureusement, je ne pourrais pas vous le montrer parce que ce pouvoir, je l'ai débloqué juste avant ma sauvegarde sur le boss final. Donc je serais obligé de vous montrer le boss final pour vous montrer ce pouvoir. Donc je ne pourrais pas vous le montrer ici, mais sachez que c'est plutôt sympa. Euh, donc, ensuite on a les quêtes en cours. Et les quêtes terminées. Alors je ne sais plus comment on fait pour passer sur les quêtes terminées. Euh, tac, tac, tac. Bon, enfin bref. Les quêtes terminées, là c'est sur la gauche. Il y a un bouton à faire, mais je, je ne sais pas... Ah bah voilà, c'est bon. Quêtes terminées, donc voilà. Ça c'est toutes les quêtes que j'ai terminées sur cette sauvegarde là, bien sûr. Donc vous voyez qu'au niveau des quêtes, il y en a pas mal. D'ailleurs, là-dessus, euh, sur les quêtes, j'ai trouvé ça vraiment sympa aussi. Euh, je m'attendais à des quêtes euh, type FedEx, euh, va porter ça euh, à ma chérie euh, parce que bah elle habite à 5 minutes de chez moi, mais j'ai la flemme d'y aller. Bah il y en a 2-3 comme ça, mais pas plus. Clairement, euh, j'ai été plutôt agréablement bien surpris par ça aussi. Euh, je ne m'attendais pas à ça du tout. Voilà, donc là hop, on a tous les trucs comme ça euh, qui nous guident, des sortes de petits guides sur le journal. Euh, je vais vous montrer les différentes armes. Hop, donc on a les épées, on a les haches. On a la lance. On a le croissant de lune. Euh, et on en a d'autres. Normalement, j'ai un marteau aussi. Ouais, voilà. Hop. Voilà, la griffe du lion. Qui est plutôt classe d'ailleurs. Non, vraiment. Il y a de bonnes idées dans ce jeu, clairement. Donc je reprends ma petite épée en arme principale. Il y a de très très bonnes idées, ce jeu est pavé de bonnes intentions. Je pense qu'il y a eu un réel manque de budget. En même temps, euh, DTP Entertainment, euh, peu de temps après la sortie de Venetica, ont fermé leurs portes. Ce qui explique un peu la difficulté de trouver ce jeu sur le marché. Ils avaient même lancé euh, euh, un green light pour Venetica, qui a été green lighté sur Steam. Mais malheureusement, eh bien. Euh, ah, des bandits. Ah, vous voyez que Venise la nuit, c'est assez dangereux. On a le droit à des bandits qui nous attaquent. Tac. Ah Je me suis foiré <laughs> Donc ouais la nuit et le jour, il y a un vrai, une vraie différence euh, sur le cycle jour-nuit. Et ça c'est plutôt bien aussi, j'ai trouvé ça bien, je dis tiens Ah ouais il y a une vraie, euh, une vraie incidence sur le gameplay, c'est-à-dire que la nuit il y a des bandits qui sont là et qui envahissent euh, Venise, et donc il y en a un peu partout. Donc oui comme je vous disais, euh, le jeu a été greenlighté. Donc, normalement, il n'y avait plus qu'à sortir sur Steam, puisqu'il était déjà sorti en version boîte. Et bah, ben, la boîte a fermé avant a fermé avant la fin du Greenlight. Du coup, il est greenlighté, mais il ne sortira qu'à... Enfin, il y a très très peu de chances qu'il soit... Euh... Qu'il sorte. Tout simplement. Puisque, ça m'étonnerait très fort que quelqu'un rachète la licence Venetica, étant donné que le jeu a fait un bide complet. En même temps, euh, vu la communication... Ah Vu la communication autour du titre, ça ne m'étonne à peine. <laughs> ça m'étonne à peine que le jeu n'a pas marché. Il euh, y a même certains sites de jeu qui l'ont même pas testé. Et le peu de sites de jeu qui a testé, eh bien ils l'ont descendu. Donc c'est pas cool. Hop là La petite esquive, la petite roulade. <laughs> et là, je lui absorbe sa vie à lui. Merci monsieur Vous voyez, j'ai des petits pouvoirs comme ça. C'est sympa. Ça varie un petit peu le système de combat et c'est plutôt cool. On va monter, je vous montre un petit peu hein, comment ça se passe dans la ville. Oh, oups, là. Le petit bug <laughs> Donc je vous disais, il y a des petits bugs par-ci par-là. Euh, il y a des petits défauts par-ci par-là. Ah, les... les bébêtes. Les fameuses bébêtes. Ouh il n'y a plus de bébêtes <laughs> Bon, maintenant je suis un peu puissant hein, pour les bébêtes, c'est pour ça que je les tue en un coup, mais avant, euh, quand j'avais pas mes pouvoirs, c'était pas la même. Ah, je vous garantis que c'était pas du tout la, la même euh, paire de manches. Donc, comme je vous le disais, cycle jour-nuit. Euh, le problème de DTP euh, qui ne sortira du coup jamais sur Steam, euh, Venetica, et que, ça m'étonnerait que ce soit racheté comme jeu. Il hein, y a très très peu de chance. Vu que ça n'a pas marché, c'est pas une licence juteuse. Il n'y a personne qui va se ruer dessus pour l'acheter. Hein. <laughs> ça, c'est clair et net. Et c'est bien dommage parce que ce jeu sur Steam pourrait contenter quelques personnes. Donc là, pour se le procurer, maintenant, il faut chercher sur Amazon en boîte, etc. Sur Amazon, il est encore disponible en boîte. Ça, il faut le savoir. Et il est à 4 euros. Donc 4 euros en boîte. 4 euros pour un jeu d'une durée de vie de 20 heures. Parce que oui, j'ai mis 20 heures à le terminer, ce jeu. Eh bien, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Moi, c'est le prix que j'ai payé. J'ai dû payer 4-5 euros. C'était à un moment où j'achetais pas mal de jeux. J'avais ma frénésie d'achat de jeux. Et ça fait euh, facile deux ans qu'il traîne dans mon placard. Et puis là, d'un seul coup, euh, j'ai vu la boîte, j'ai dit, tiens. Je me le ferai bien ce jeu, tiens. C'est vrai que un petit action RPG comme ça, sans prétention, ça peut être cool. Et puis je me suis dit, de toute façon, même si j'aime pas, au pire, j'ai pas payé cher, et puis il traînait là. On verra bien. Et bien au final, j'ai accroché et je suis resté jusqu'au bout, quoi. Je suis resté jusqu'au bout, je l'ai terminé ce jeu. Et c'était plutôt cool, j'ai passé un bon moment quoi, devant ce jeu, je me suis bien éclaté, je joue à ça après le boulot, tranquillement, et c'était cool. Voilà. Donc deck 13, bah, c'est ceux qui ont développé euh, récemment Lord of the Fallen, qui est lui aussi bourré de bugs, donc ça doit être assez commun chez eux. Mais là vraiment, sur ce jeu, si vous l'achetez en boîte, donc si on ne sait jamais si mon test vous donne envie de, de prendre ce jeu, si vous l'achetez en boîte, sachez qu'il y a un patch 1.2 qui est disponible sur, euh, sur internet donc vous tapez Venetica patch 1.2 et le 1.2 corrige énormément de bugs c'est à dire que euh, la stabi stabilité du frame rate etc c'est beaucoup mieux avec ce patch vraiment ils ont co corrigé vraiment beaucoup de choses et euh, c'est beaucoup plus fluide quoi parce que c'est vrai qu'au début c'était pas très fluide et pourtant j'ai une bonne config quoi et je me suis dit mais, merde, je comprends pas le jeu est pas spécialement beau c'est assez mal optimisé dans la version 1.0 mais dans la version 1.2 c'est plutôt pas mal donc comme je vous, je vous le disais, bonne durée de vie, 20h. Heures. 20h heures, c'est pas mal quoi, c'est sympa. Pour un jeu qui coûte maintenant plus rien, c'est plutôt cool. Euh, sur console, je ne sais pas combien il coûte, je me suis pas spécialement renseigné, mais à mon avis, s'il est à 4€ en boîte sur PC, et ce qu'il faut savoir, c'est que la boîte est sans DRM. C'est-à-dire que vous n'avez pas de code à taper, etc. Vraiment, vous pouvez y jouer tranquille quoi. Vous l'installez et vous y jouez. C'est pas un jeu avec plein de DRM à gogo, euh, avec un code unique à taper. Non, non, rien de tout ça. Donc là-dessus, pas de soucis, c'est plutôt bien. C'est vraiment, ça marche comme un jeu console. Vous le mettez dans le, dans le, dans le, dans le PC, vous l'installez. C'est parti, vous y jouez quoi. Ça c'est cool. Donc dans les points euh, plus comme je vous le disais, bah, l'histoire, l'histoire que j'ai trouvé plutôt sympathique et pourtant sur certains sites, il euh, y en a pas mal qui disaient "ah oh, l'histoire est assez banale". Bah non, non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord, le jeu euh, l'histoire du jeu est plutôt cool, plutôt sympa. Moi, j'ai bien aimé. Bon, c'est pas transcendant, c'est pas l'histoire de l'année, c'est pas euh, oh là là, se taper la tête partout, mais mais ça ça tient en haleine et moi quand l'histoire n'arrive à me tenir en haleine jusqu'au bout du jeu, bah c'est bien, c'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut, voilà. Donc après, ben, l'environnement de jeu, les combats, comme je vous le disais, qui sont plutôt sympathiques, euh, la variété dans les quêtes, le cycle jour-nuit avec une réelle incidence, euh, les arbres de talent, le, les différentes armes, les différentes armures, même si elles sont pas nombreuses, elles sont différentes, elles sont vraiment, vraiment pour le coup différentes, quoi. Euh, et puis la bande-son. La bande-son, comme vous avez pu l'entendre au tout début du test, qui est plutôt cool. Alors parfois elle est très bien, et parfois elle est euh, bof, quoi. C'est vraiment bof. C'est assez bizarre parce qu'on oscille entre le, la très bonne bande-son. Vraiment, il y, y a des musiques du jeu que j'adore. Il y a des musiques que je les ai trouvées superbes. Et il y a des musiques que je les ai trouvées vraiment banales, quoi. Vraiment, vraiment banales. Et ça, euh, c'est dommage. C'est dommage, c'est un peu du gâchis, quoi. Parce qu'on se dit, ouais. Euh, cette musique-là elle claque et juste après oh bah celle-là elle vaut rien et ça c'est dommage c'est vraiment dommage ça c'est donc c'est un... dans les plus c'est les moins parce que la bande son elle aussi entre le bon et le pas bon il y a il y a vraiment des musiques qui sont pas bonnes c'est pas spécialement agréable à... à écouter mais malgré tout ça malgré ses défauts les bugs la liazing la vf assez moyenne euh, le jeu qui est un petit peu linéaire, enfin un petit peu trop tenu par la main. Techniquement, c'est dépassé. Bah, malgré tout ça, c'est un jeu que j'ai apprécié. C'est un jeu que j'ai kiffé, quoi. Je me suis éclaté sur ce jeu. Et pourtant, bah voilà, c'est pas le jeu de l'année. C'est clairement pas le jeu de l'année. Mais on sent qu'il y a de la bonne volonté derrière. On sent que les mecs ils ont voulu faire bien, quoi. Moi, c'est ce que j'ai ressenti derrière ce jeu. J'ai ressenti des mecs qui, qui ont fait ça avec le, leur trip et leur passion. Et ouais, bah ouais, c'est peut-être bête à dire, hein. Alors là, les pinceurs, faut éviter leurs attaques. Faut plutôt les attaquer dans le dos. Parce que, sinon, ça fait mal Et là, en plus, j'ai pas spécialement la place pour tourner autour. Hop. Tac, tac, tac. Parce que, eux, quand ils vous lancent une attaque, ils peuvent vous tuer vite fait en une attaque, quoi. C'est assez impressionnant. Donc vous voyez qu'il y a des catacombes, il y a pas mal de paysages comme ça. Il y a des tavernes. Les tavernes sont plutôt sympas aussi. Euh... Je vais peut-être charger ma sauvegarde dans l'arsenal. Alors, est-ce que je l'ai... Arsenal. Et je vais aller dans la taverne et il y en a qui chantent dedans. Là où je vous disais que la bande son, justement, il y a de bons points dessus. Euh... Ouh là là Ouh, le spoil <laughs> Ça, c'est une sauvegarde très 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 haute. Hein. Ça... <laughs> là, on est quasi... Euh... Quasi à la fin du jeu, donc voilà, faut pas trop faire attention. Mais je voulais vous montrer cette petite auberge, l'auberge du crâne, dans le quartier de l'Arsenal. Et à l'intérieur, ça chante et tout, et c'est plutôt sympa. Attention. Sympa, non? Moi ouais, j'ai trouvé ça sympa franchement. En plus le truc fait de briques et de brocs euh, un peu partout comme ça. J'ai trouvé ça super quoi. L'ambiance est bonne. Non j'aime bien. Franchement j'ai bien aimé. C'est un jeu que j'ai apprécié. Alors je donne pas de notes euh, comme d'habitude hein, dans mes tests. Je ne donne pas de notes. Je donne juste mon appréciation finale. D'ailleurs, on va se quitter comme ça là-dessus, sur l'auberge du, du crâne. Globalement, je dirais que c'est un jeu que j'ai apprécié faire. C'est un jeu qui m'a tenu en haleine. Et malgré ses défauts, eh ben, on a envie de continuer. Et rien que pour ça, ben, je ne peux pas vous dire, ah non, ne l'achetez pas, surtout, évitez-le. Non, je ne peux pas, je ne peux pas vous dire ça comme certains sites ou certains euh, testeurs amateurs qui ont fait euh, peut-être une heure sur le jeu, qui ont fait le tuto, euh, ont pu vous dire. Euh, certains ont dit ah non évitez-le c'est de la merde bah oui si tu fais que le tuto c'est vrai que le tuto la phase de tuto donc la première heure de jeu est pas spécialement euh, agréable à faire enfin pas agréable c'est-à-dire que c'est assez moche et tout ça donc on se dit ah oh, mais si vous avez ce jeu chez vous continuez-le avancez dans le jeu et vous verrez que il y a plein de bonnes choses à vous offrir ce petit jeu et rien que pour ça, bah je, je ne peux que vous recommander de l'acheter si vous le trouvez dans un bac d'occasion ou dans une braderie à pas cher. Même dans une braderie, vous pouvez l'acheter d'occasion parce qu'il n'y a pas de DRM sur ce jeu PC. Et donc euh, voilà, et même sur console, il y aura pas de DRM. Mais bon, ça c'est plus commun que sur euh, PC. Voilà. Y'a rien, vous pouvez acheter la boîte de jeux PC, vous savez que vous pourrez y jouer. Donc, rien que pour ça, bah, je, je vous le recommande ce petit jeu. Vous le trouvez pas cher, vous le prenez, ça vous fera une bonne petite expérience entre deux gros jeux. Franchement, si on fait euh, l'impasse sur ses défauts, et eh bien ce jeu a plein de bonnes choses à vous offrir, les amis. Voilà, bon, j'espère que je me suis pas trop répété sur ce test, hein. j'espère que je suis pas trop rouillé, ça fait un petit moment que j'en avais pas fait. Moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao, c'était Okrad. J'espère que ce test vous a plu. Et comme d'habitude, vivez à fond votre passion de gamer. Ciao, les amis, et à la prochaine.